Bonjour à tous, ici Atom Alpha dans cette vidéo sur A Story About My Uncle. C'est un jeu que j'ai découvert sur Steam, d'ailleurs il était gratuit. En bref, dans le fond, dans ce jeu-là, c'est un homme qui raconte l'histoire, une histoire, je pense, à sa fille à propos de son oncle, comme l'indique le titre. En bref, j'ai testé un peu... Mais j'ai pas testé beaucoup, puis j'avais vraiment envie de faire une vidéo dessus. Parce qu'il m'a l'air génial. En bref. On va commencer ça. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Oh! Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est stylé! Ok. Bah, on va faire ce qu'il demande. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. Okay. She tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, wow. Kilimanjaro, the Amazon River. I had visited Uncle Fred's house countless of times. But in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. Ah, c'est cool. Resembled the one that Fred used, but smaller in size. Curiosity got the better of me. C'est moi qui contrôle dans ça. Alors, bref. It fit like it had been custom made for me. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Okay. Oh. Oh oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, j'aime pas ça. What? Non. Oh oh. Non. Non. Ah, c'est quoi ça? Non. What? Ah, c'est bien bizarre. Ok, on s'envole dans le ciel, là c'est plus moi qui contrôle. Ok, A Story About My Uncle. Ça c'est l'introduction. Donc, d'après ce que j'ai pu voir dans le premier chapitre de l'histoire, c'est que tu te promènes dans un monde en essayant de retrouver ton oncle. Et tout, en bref. I'd ended with a crash. Là, on va se promener. But I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me. But back then, I didn't care so much about where I was going. Oh no! J'aurais pas dû. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Uh oh. Ah, bah moi. Suicide. Ouf. Ok, cool. Ok, ça c'est les premières affaires que j'ai appris en quelque sorte. C'est que tu pouvais sauter, puis un peu plus tard dans l'histoire, tu vas découvrir un grappin, puis ces affaires-là. En bref, c'est assez génial à faire. Had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where? Oui. Ben, comme ça. C'est quoi cette machine? D'accord. Surfield.
Ok, ça c'est bien. Oh, ok, cool. Comme vous voyez, c'est vraiment un jeu d'aventure qui peut être assez chiant quand tu tombes dans l'eau particulièrement. Oh. Oui. Ça c'est bon. Oh. Oh. Peut-être. Oh, j'ai juste skippé le niveau, quoi. J'étais censé atterrir là, mais secret confidentiel. Oh, c'est quoi ce truc? The power oh, c'est un grappin. Activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Oui. Non, 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 non. Mais ça va mal, mon affaire. Ok, ça c'est bon. Ok, good. Maintenant, on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc... Oh, c'est quoi cette affaire en partant? Ça, c'est vraiment bizarre. On va... Ah, ok, il y avait un signe là-bas. Grappling device left a sort of symbol everywhere grappled. I noticed similar symbols already there in the cave, and I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. C'est bon. Superman, ta 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 da. En bref, on va aller. Ah non. Là, je comprends. Ok, ce point là, c'est bon. Oh. Ok, ce point. J'ai réussi à remonter. Les tombes, oui. Oh. Ok, ça c'est bien. Donc. C'est vraiment bizarre. Ouais. Vais-je l'avoir du premier coup? Et oui! Surtout, on lâche pas. Oh. On va peut-être y arriver. Non, 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 non. Non, merde. Et c'est dommage. Et
là, encore là, j'aurais pas dû sauter. Ok. Ah, c'est quoi ce faire? Ah! Ouf! On mourrait. Ah non, sinon ça aurait été l'un des plus grands fails qui existent, quoi. Bon. On attend qu'elle revienne. Allez, allez, oui! Ici c'est good. Oh la chance. Ok, ça c'est vraiment bien. Oui, j'arrive pas à attendre. Ok, rapproche-toi. Oui, ça c'est bon. Ah, mais putain, ça fait. Ah, c'est beau quand même le jeu en vrai. Oh snap, oh snap, oh je l'ai chanceux. Oh, je suis l'homme le plus chanceux sur terre, quoi. Dans le fond, dans le jeu, t'es quoi? T'es comme Dieu. Aucune chance. Bah, tu peux mourir. Oui. Ça c'est bien. Oh, peut-être, non. Merde. Je pense qu'il y a des saves. Sinon, j'aurais pas aimé le jeu là. Bon. Oh, c'était juste. Bon. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Ah, 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 c'est quoi ça? Hello, who are you? You're not from here. Wow, you look just like Fred, but smaller, and with less hair on your face. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. What's an uncle? I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. Oh, yeah, the others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right?
Let's meet over there in the square. I'll show you around. What? Sorry. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walked like humans, they talked like humans. How is that possible? C'est à peu près ici que je m'étais arrêté. Donc. Ah non, on tombe. Non. Oh, j'ai été chanceux. Oh. Ok, on va faire comme si rien ne s'était passé. Donc, sur ce point-là, c'est bien. Hi, welcome to my village. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him, though, you should check out the village. It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's coat from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later! I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? André. Tenez, prenez mes lasers. Yeah, yeah, yeah. Je vais vous dire à tous et à chacun merci beaucoup pour cette vidéo. En bref, je vous souhaite un bon amusement en regardant cette vidéo. Et puis, en bref, sur ça, je vous laisse et je vous dis à plus, les amis. Bye!